La situation sécuritaire dans la partie est de la République reste jusqu'ici la préoccupation majeure de tous les Congolais. Dans le Nord Kivu, la communauté Nandé, l'une des communautés qui continue à payer les lourds tributs de cette situation, est venue échanger avec le chef de l'État sur le et moyen de restaurer la paix. Une délégation nandais composée des chefs coutumiers, des leaders religieux et opérateurs économiques a eu un long échange dans la soirée de ce samedi avec le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo. Après plus de deux heures de discussion, les leaders nandais ont fait part de leur satisfaction. Leur message a retenu la particulière attention du Père de la Nation. Nous sommes d'abord venus présenter les civilités au président de la République parce que depuis qu'il est installé pour son deuxième mandat, on n'avait jamais eu l'occasion de venir le voir. Et deuxièmement, nous sommes venus lui présenter la situation que nous traversons chez nous à l'Est, plus particulièrement au Nord-Kivu. C'est la situation de la paix parce que là, nous vivons vraiment une situation critique. Les massacres, les viols, les kidnappings, les incendies de véhicules, et de maisons et tout qu'au sort. Il nous a encouragé de continuer à prier et, et nous unir tous pour la recherche de la paix. Et si, aussi continuer à communiquer. À cas de nécessité, il faut qu'on lui donne chaque fois des informations parce que nous qui sommes sur le terrain, nous pouvons être mieux, bien informés que lui. La question sur le massacre du camp de réfugiés à Mugunga, à Goma, était également sur la table des discussions. Le président de la République a rassuré de son implication pour retrouver la paix dans le Nord-Kivu. Sur cette question, euh, il a reconnu que l'agresseur est là et que euh, les stratégies sont montées pour que ce problème puisse prendre fin. Il y aura euh, même une journée spéciale qui sera décrétée au niveau de la République pour euh, commémorer les victimes de l'Est en général et du Nord-Kivu en particulier, mais aussi, euh, nous avons parlé de, de la question socio-humanitaire pour euh, indemniser les gens, pour consoler les gens, mais aussi pour s'occuper euh, de plus en plus concrète, les de besoins des déplacés. Déterminé à restaurer la paix dans l'Est du pays, le président Félix Tshisekedi a encouragé la délégation de ne pas baisser les bras et de ne pas se laisser manipuler par les agresseurs.